Bien, donc on reprend. Donc comme je l'ai dit, je me suis préparé, hein, je me suis blindé d'objets de soins. C'est aussi long que le précédent. Voilà, vraiment. Donc on va s'attaquer au donjon de la Méduse. Donc c'est parti. Alors, la première question qu'on se pose, c'est par où faut aller? On va passer tout pour l'instant. On va aller par là. Je vais au tour. Bon, on va essayer de le buter. Tant qu'il fait pas son attaque d'éclair, ça va. Voilà. Donc, on va par là. Sérieusement. Ça commence bien. On rencontre des vieux copains, c'est cool. Des copains du précédent épisode. Allez. Merci, monsieur. Alors. C'est vide. Je crois que par là je vois où ça mène. Non, j'ai pas confiance dans les coffres. J'en étais sûr. C'était un coffre piégé. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ça monte. Sérieux, tu me fous un ennemi comme ça maintenant. Vraiment, ce jeu n'arrêtera pas de me surprendre. Alors, Dungeon Key. Ça a l'air labyrinthique. Alors, sérieusement? En plus, c'est une merde ça maintenant. Ça servait à rien en fait. C'était con. C'est complètement con en fait. Bon, alors, bref. Vos questions logiques. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je sens que ça va être bordélique comme bonbon. Non. Je fais pas confiance. Burger. Ouais, non, j'en ai déjà. Je suis déjà rempli de burger. Pour l'instant, ça sert pas. Alors, allons tout droit. J'ignore complètement ce qu'on va trouver. Ça monte encore. Refouiller un peu. Bonjour, monsieur. En fait, il est vraiment pas dur cet ennemi. Hein. C'est juste qu'on se refoudre. Juste on sort de foot, c'est le seul truc qui est chiant. Non, sérieusement. Il reste un PV, quoi. Ah, mais les trésors, voilà, tiens. Voilà, c'était encore un piège et c'était vide en plus. Mais les coffres dans les donjons, c'est de la grosse arnaque dans ce jeu. Faut vraiment jamais les ouvrir. J'ai pas trouvé un seul coffre dans un donjon qui valait le coup. Pas que je me souvienne en tout cas. Bon. On va continuer à monter du coup. Quand la RNG veut que vous ayez des combats aléatoires, vous en avez des combats aléatoires.
ça, rassurez-vous. Alors, ok. Donc on continue. Ah oui, on va. Jusqu'où on va monter cette fois, c'est la question. Bonjour. Bonjour, monsieur le dragon vert. C'est-à-dire qu'il m'avait quasiment one shot la première fois que je suis venu ici. Et maintenant c'est une grosse merde. Enfin, tu me diras, il est toujours résistant. Ouais, il est toujours résistant, ça va. Voilà. Il me rapporte combien? J'aime bien parce que les dragons ils sont toujours seuls, tu vois. Quand tu tombes sur un dragon, il est toujours tout seul. Les dragons ne s'aiment pas entre eux. Lui, c'est pareil, le maraudeur, il est toujours tout seul. Heureusement, tu me diras. S'il est arrivé deux et qu'il se mettait à faire cette merde. Voilà. C'est le seul truc chiant des maraudeurs, le Sword Thunder. Je vais lancer un burger sur tout le monde. Histoire de... J'essaie d'économiser mes points de magie pour... On est dans le repère de la méduse, donc... on devine qui va être le... Ah merde. On devine qui va être le boss, quoi. Alors... Les stalkers... Enfin, toujours marrer leur nom. C'est des grosses merdes. Voilà. Évidemment, il fallait que ce soit un piège. Non. Tel 10 Meseta, ils étaient piégés, quoi. Putain, j'ai perdu combien là? Il y a que Noah qui a perdu des HP. Attends, on va lui donner un burger. Mange ton Big Mac, Noir. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ouais. Porte fermée. Ça continue. Oh putain, ça va pas continuer comme la dernière fois où t'avais des portes... T'avais au moins 10 portes fermées avant la fin du donjon, quoi. Il y a un embranchement là-bas. Bon, c'est pas trop dur pour l'instant, c'est pas... On va dire qu'on est encore... On est encore bien niveau vie, tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a par là? Non. Ne pas faire confiance. C'est quoi? Je crois que je vais arrêter de faire ça. Pour économiser les points de magie Miaou, je vais carrément ignorer les coffres dans les donjons. Les coffres dans les donjons, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse arnaque, je crois. J'ai jamais vu un jeu qui t'escroque autant sur ses pieds et sur ses coffres, quoi. Oula! Oula, une version évoluée du maraudeur. Oula. Reaper. D'accord. Est-ce qu'il est comme le maraudeur? Ok, ça a l'air d'aller niveau dégâts qu'il fait. Surtout ici, Odin esquive, ça c'est bien. Bon, ça va. Ouais, ça va, il est pas dur. Ah, ça par contre c'est pas bon. J'aimerais bien le tuer tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, voilà pourquoi. En gros, il avait augmenté sa force, il a fait un quoi, 42 dégâts. Bien joué. Oh putain, 254 Meseta, c'est pas mal. Alors... Au moins si on rencontre des ennemis plus forts, c'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie, je pense. J'espère juste que ça va pas prendre 47 minutes comme la dernière fois. Contre toi.
Allez, crève. Il est ce qu'il vient, l'enfoiré. Du coup, on va aller par là pour voir. Ça fait un rectangle. J'ai pas trop envie de faire trop de combats non plus, parce que si je me retrouve privé de moins de magie à la fin. Non. Non, non, non. J'ai dit les coffres, je m'en occupe même plus maintenant. C'est... Alors. Putain. Bon, attends. Tant une minute. Attends une minute. Non mais bon, d'accord. Si tu veux. Tu veux pas me lâcher, tant pour toi. Oh, je ne l'aime pas. Voilà. Faire de coups de merde à je sais pas combien de dégâts. Comment tu peux esquiver un adversaire qui est immobilisé? Comment tu peux rater un adversaire qui est immobilisé, je veux dire? Ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Ok. Je refuse. Alors. Comment ça? C'est pas grave. Il est mort, c'est idiot. Alors là, on a quoi? Va te faire foutre. Sérieusement. N'importe. Ok. Ah, on monte. Ok. Alors, on continue à monter pour l'instant. Là, une porte, et là, on a une autre porte. Ok, laquelle est la bonne? C'est la question. Donc là, ok, là, on a juste des mouches. Évidemment, fallait... Sérieusement? Waouh, deux ennemis d'affilée comme ça, quoi. What the fuck? Ouais, il me plaît pas, là. Attends. Attends. Attaque, attaque, attaque. Thème burger. Sérieusement, deux ennemis d'affilée comme ça, ok, au calme. J'espère qu'il va pas y en avoir une troisième. Comment tu peux... Ok. Voilà. En plus, le trésor d'avant était bien piégé, tu vois. C'était tout, c'était juste des ennemis, ok. Bon, et l'autre porte alors. Ça continue et ça monte encore. Non, ah, je l'ai dit, les coffres, j'en ai plus rien à foutre. Ok, on a un magicien maintenant, un magicien avec un masque d'éléphant. Oh merde, putain,
Putain, lui aussi, il fait ce sort de merde. Ah, vache. Ah, j'aime pas ce sort, en fait. Foudre. J'aime pas ce sort quand il est utilisé par les ennemis. Combien de barrières? Ok, j'en utilise un sur chaque perso. Et après, il va falloir commencer à consommer les MP. Ça a l'air d'être les donjons les plus durs du jeu. On va voir si tu obtiens le truc en la cognée à la fin, ça avait plutôt intérêt. Là, on a. On continue à monter. Je vais voir ce qu'il y a là-bas d'abord. Oh, merde. Bonjour. Là on a. Ok, dans les deux tu peux monter. Bon. On va voir celui-là, si c'est un cul-de-sac. Si c'est un cul-de-sac, bah. Je reviendrai à l'autre. Je tente. C'était encore un piège de merde, quoi. T'as vu tout un couloir d'un étage pour un piège. Oh. Bon, allez. Tout un couloir d'un étage pour un piège, c'est fort, quand même. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Bon. Redescendons et allons voir l'autre escalier qui faisait monter. Et c'est une bifurcation. Là c'est vide. Et là, là on a des monstres qu'on va niquer. C'est ça. Dommage, elle aurait tout. Elle aurait attaqué l'autre, elle l'aurait buté. Voilà. Je suis désolé pour le bruitage du pistolet laser, il est vraiment énervant. Il faut une flash, comme si j'avais quelque chose à foutre des flashs. J'utilise mon dernier burger sur Noah. Beaucoup d'HP, non. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oula! Donc, voilà la méduse. Ça va pas traîner. Alors, est-ce qu'on peut lui faire ça? Donc, c'est un boss, je pense. On va mettre Wall. On va attaquer. Wind. Ah, tu peux l'immobiliser. Si tu peux l'immobiliser, elle va être très facile alors. Tac. Yahoo, tu vas augmenter la force 10. Tac. Ah, on va la bourrer là. On va la massacrer si elle peut être immobilisée. Ah, bah, si elle peut être immobilisée, ça va être très facile. Hein. Ah, attends. Hope. Yahoo, t'augmente ta propre force. Tac. En fait, ce truc, elle va mourir à ce tour-là. Donc, ça, il fait pas super mal. Bon, c'est pas grave. On va la bourrer. Non, elle est morte. Elle est
était facile, putain, en fait. Oh, je suis déçu là. Je suis vraiment déçu, elle était vraiment facile. Hein. Trop déçu là. Depuis le temps qu'on n'arrêtait pas de te la teaser. Mais c'est bien ce que je pensais, Laconian Axe. Donc. Ah ouais, t'enchaînes. Enfoiré. Le mec qui s'incruste après le boss fight, quoi. Ah l'enculé. Comment il s'incruste le mec, quoi. Tiens, vas-y, prends-toi un win dans la gueule. De toute façon, après, je m'en fous, j'ai sorti du donjon, j'ai eu la hache laconienne, c'est ce que je voulais. Ah là là. Bon. Non. Thème. Déjà. Équipé. Odin. Voilà. Et c'est donc combien en attaque? Ouh, 120. Oh, vache. Ah oui, il tape beaucoup plus fort là maintenant. Ah non, je suis déçu là, la méduse a été. On te disait la méduse depuis je sais pas combien de temps, en fait c'est une grosse merde. Je suppose c'est parce que t'as le bouclier de miroir, du coup son regard te pétrifie pas. Bon, enfin bon, quand même quoi. Du coup, oui. Donc, où est la flûte? Là. Use. Ah, par contre. J'ai vu qu'il y avait des sous-sols dans ce donjon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir et je vais explorer les sous-sols, parce que on sait jamais. Bon. Bon, je vais voir les sous-sols. Ça commence déjà. J'ai été me soigner entre temps. C'est jamais ce qu'on peut trouver dans les sous-sols. Voilà. Parce que les stalkers veulent bien me lâcher un peu. On pourrait peut-être arriver à quelque chose. Ouf, 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 ouf. Il fait mal avec sa hache. J'ai vu. Il fait mal, je crois que j'ai eu bon, il a enlevé 50 PV ou un truc du genre. Alors. Sérieusement. On peut pas me lâcher un peu. On est en train de le défoncer là. Je sais pas du tout ce qu'il reste comme équipement laconien. Je crois que j'avais entendu dire qu'il y avait un bouclier et une armure. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Tu trouveras bientôt la vérité. Ok. Si tu veux, mec. Bon. Soit. Oui, on peut descendre dans les sous-sols. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les sous-sols? Autre que des ennemis costauds comme ça. Je dois être riche dans 15 000. Ah. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne fais pas confiance au trésor. Ok. Tout ça pour un burger, quoi. Tout ça pour un hamburger. Hamburger. Allez, il tombe comme des mouches, quoi.
Non, par là. Encore une intersection là-bas. Là, qu'est-ce qu'on a? Je suppose que si je vais là. Putain, plein de chemin. C'est quoi ce sous-sol de ouf? Ah. Encore un. Non. Dis mes cétaces. Tu veux faire avec 10 mes cétaces? Ou toi, tu m'as l'air costaud. Et tu peux paralyser, d'accord. Putain, il est résistant au bordel. Hein. Vache. Eh bah putain, il est assez résistant lui. Ok. Vraiment mal les trucs la cogne, hein. Je viens de voir, j'ai fait 53 de dégâts en une attaque. Ça va les cool de les chercher. Diminir. Voilà. Je sais même pas si en fait il y a un vrai intérêt à fouiller le donjon. À fouiller les sous-sols. Vu qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. La base. Ah, franchement, elle était décevante, elle est plus là, je suis. Je suis déçu par la méduse. De toute façon, dès que j'ai vu que tu pouvais la paralyser, laisse tomber quoi. Voilà. Ah, on va gagner un niveau. Alors, du coup, par là. Qu'avons-nous? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Le coup de poing, quoi. L'animation du coup de poing, c'est énorme. L'animation du coup de poing, c'est juste énorme. Quand t'as le coup de poing qui zoome comme ça, c'est énorme. Ah, les vieux jeux de l'époque, quoi. On se moque pas. On se moque pas. Je vais au pif en fait là. Je sais même pas par où faut aller. Encore un coup de. Ok. Bon allez, vas-y, tente. Burger, wouhou. Un piège, wouhou. Bon allez, vous savez quoi, j'en ai marre. On a eu ce qu'on voulait de toute façon. Je vais pas me casser la tête. Pire, j'irai voir, c'est un truc à chercher en plus sur internet parce que j'ai la flemme de chercher tout ce donjon. Si ça se trouve, il n'y a rien d'autre que cette la méduse et sa hache. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode ici. Ouais, ça va. Ça aurait été un donjon beaucoup plus court que le précédent. Et au moins, on a eu la hache. La hache laconienne. Bah, écoutez, donc voilà. Et bah du coup moi je vous dis à la prochaine fois, je sais pas, on ira encore sur la planète de glace. Maintenant ça devrait le faire. Et puis voilà. Oh, voilà. Allez, salut.